Yo tout le monde, c'est Heinz Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tuto, voilà. Un tuto Redstone, voilà. Un passage secret dans une bibliothèque, voilà. Si vous voyez que la qualité du micro a changé, c'est normal. Mon micro s'est pété. Donc ça sera un truc comme ça. Donc une bibliothèque comme ça. Donc attendez, voilà, donc vous aurez un spawn, comme ça vous devrez faire ça, et ça va s'ouvrir. Puis après vous faites une petite salle, moi j'ai pas fait parce que voilà, je l'ai fait à la viteuf. Vous pouvez voir ce que j'ai fait tout à côté. Genre c'est comme si vous faites une porte qui s'ouvre, mais en fait non, vous faites pas une porte qui s'ouvre. Vous allez faire un passage secret. Voilà, moi j'apprécie, si je veux, je fais une petite salle comme ça. Mais bon. Donc on va attaquer au glitch, au tuto. Tac. Donc on va se mettre un tout petit peu plus loin. Donc moi je vais juste vous montrer, pas en faisant une maison. Parce que sinon ça va durer trop long le tuto. Donc il vous faudra prendre de la redstone, une torche de redstone, un levier, des pistons colons et un bloc de ce que tu veux. Moi je prends un bloc de pierre car c'est voilà. Donc faut que tu laisses deux d'espace au milieu, enfin attends, comme ça, deux d'espace. Et là vous allez faire un d'espace ici, vous allez le mettre là vers ce côté. Voilà. Parce que dès que ça va tirer le bloc, ça va se coller. Et dès que ça va le pousser, voilà. Vous m'avez compris. Moi, pour m'aider dans notre truc, parce que c'est moi qui l'a découvert. Enfin, pour moi. Donc, tac, ça va faire comme ça. Et dans tout ça, il n'y aura que un qui va marcher. Parce que soit il y en a un qui ne marchera pas, ou si vous arrivez à faire marcher les autres, oui, ça, c'est bien. Tac. Faites un trou de 2 de profondeur. Il doit être 2 de profondeur. Je vais regarder un petit truc si j'ai bien fait. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous m'entendez bien. Parce que moi je pense pas. Donc dès que c'est comme ça, vous allez casser tout ça. Pour le reposer. Enfin, fallait pas me goûter là. Je vais en rajouter un là et un là. Donc tout d'abord, faut que vous fassiez ça, vous cassez le milieu, vous faites ça. Puis après vous mettez votre torche de redstone ici et ici. Ah oui, vous posez comme ça aussi. Tac. 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 Puis après vous posez, dès que vous avez posé les torches de redstone, vous allez poser un bloc. L'autre côté aussi. Après vous posez une de redstone. Une autre de redstone ici. Donc ça ferme. Dès que ça ferme, faites ça. Enfin non. Vous n'allez pas faire ça sinon voilà. Ça va vous compliquer la vie. Voilà, vous faites ça. Tac, tac. Vous allez par exemple le relier sous une dalle comme j'avais fait moi par exemple. Voilà. Mais... Et voilà, ça s'ouvre. Donc nous on avait dit une bibliothèque. Je vais faire la bibliothèque. Donc on va dire comme ça, tac. Ça vous cache comme ça. Tac. Faut bien que vous fassiez la taille et tout. Sinon c'est la galère. Voilà, comme ça. Là vous mettez de la pierre. Dès que ça s'ouvre, prenez soit un bouton, soit un levier, si vous allez ressortir vite. Mais genre, vous n'aurez pas le temps. Si, vous aurez le temps. Mais je crois que vous allez prendre 2 de dégâts ou quoi. C'est beaucoup, mais voilà. C'est un glitch, c'est un tuto en mode survie, c'est bien. Si votre pote, vous voulez pas lui passer quelque chose ou quoi, vous le cachez. Et là voilà, c'est top secret.
On va dire, moi j'ai fait un truc comme ça. Tac, et il y a une maison autour, super stylée comme celle là-bas. Je n'ai pas fait une terreur car voilà. Vous mettez votre coffre. Vous allez blinder de diamants. Tac, comme ça. Tiens, j'ai plein d'œufs. Et voilà. Donc, c'est la fin de ce petit tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Pourquoi pas vous abonner. Et moi, je vous dis peace.